dans le bas, dans le Biur HaLikutim, sur la Torah Manchot, dans la deuxième partie. Je vous ai dit quand moi j'ai fait Tchouba plusieurs années après, même peut-être 8 ans, 10 ans après. Une fois, le rabbi Bissra qui avait ici à la Chou, une fois, je parlais avec lui au téléphone, et j'ai dit, voilà, on a fait un takanon, maintenant, chez nous et tout, on fait une Mishnah par jour. Je lui ai dit, on fait une Mishnah par jour. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, doucement, doucement. Une Mishnah par jour. Il m'a dit, doucement, doucement. Que? Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, doucement, doucement, une Mishnah par jour? Qu'est-ce que c'est une Mishnah par jour? Si vous dites ça dans une yeshiva, il va se moquer de vous. Si vous dites, oui, j'étudie, ah ouais, tu étudies, je dis, qu'est-ce que tu étudies? Ben, une Mishnah par jour. Ok, refroche les mains. C'est une Mishnah par jour. Mais non! C'est celui qui va doucement, il y va, parce qu'il est sûr qu'on va lui ouvrir. Quand il ne sait pas, mais il est sûr qu'on va lui ouvrir. Tandis que celui qui veut rentrer avant, il peut rentrer et s'exploser complètement. Complètement. Combien de gens vous voyez comme ça, des gens, des amis, moi j'ai des amis, ils ont étudié 25 ans au collège. 25 ans ainsi toute la journée. Après 25 ans, il me dit, Abraham, même pas un mot de Gemara, je ne peux pas le regarder. C'est fini, il ne faut plus parler de ça. C'est ça, c'est à ça qu'on va arriver. Quelqu'un il arrive à l'âge de 50 ans, c'est à ça qu'on va arriver. Quelqu'un il arrive à l'âge de 50 ans, c'est au contraire. Il commence à rentrer dans le Pardès, à étudier la Kabbalah, il commence à kiffer la Torah Béhémet. C'est à ça qu'il doit arriver. Et l'autre, il fait le tout à l'envers maintenant. Tout ce qu'il a mis d'un côté, il ne faut plus le vomir. Et quand il aura fini de vomir, après il va faire une cure un petit peu, il va prendre de l'eau minérale pendant quelques semaines, et après si vraiment il s'est repris tout, il va recommencer à zéro, doucement, sa formation. Alors Rabbi Nachman il dit, Torah Vav, pour l'instant quand il y a dame, il faut faire d'homme, c'est tout, il le rapporte. C'est-à-dire quand il y a dame, il y a d'homme. C'est-à-dire que tant que maintenant, tu sens, que tu es dans Retira Kadami, que le sang est bouillonne, alors d'homme, tu te tais, tu restes tranquille. Tu attends. Maintenant, dans cette attente-là, tu es libre. Tu as le Likutei Tefillot, tu as le Tehillim. Tu es libre. Tu peux faire trois fois par jour tout le Tehillim si tu veux. On t'ouvre la porte. Et ça, c'est sûr qu'ils vont t'ouvrir plus vite. Il y a des cas où on est obligé de sortir de la salle d'attente pour aller ramasser un malade dehors. Et on sait qu'on n'a pas les forces pour le ramasser. Et on sait qu'on peut se ramasser en essayant de le ramasser. Ça, on ne vous demande pas de... Alors, on ne va pas le ramasser? On ne vous demande pas de... Ça aussi, c'est à la fin. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas d'aller sauver un type qui se noie si vous ne savez pas nager. On ne vous demande pas. Si vous êtes quelqu'un qui avait une petite formation de maître nageur, ou même qui savait bien nager, vous pouvez y aller. Quelqu'un qui ne sait pas nager, on ne vous donne pas de congé à la mer pour sauver quelqu'un, ça va faire deux. Qu'est-ce qu'on a besoin? Et s'il vient vers nous? S'il vient vers vous, il attend qu'on l'aide. Si, écoutez, entre quelqu'un qui est dehors et quelqu'un qui est dans une salle d'attente, c'est des niveaux, des milliers de madrigores. Le gars qui est dans la salle d'attente depuis une vingtaine d'années, il peut vous apprendre beaucoup de choses. Parce que le gars, il est dans la salle d'attente, il voit les gens rentrer et sortir sans arrêt. Il fréquente de là. Il sait ce qu'il y a des gens qui rentrent, il les a vu rentrer, il y en a qui les a vu ressortir, il y en a vu qui sortir guéri, il y en a qui sortir pire. Il connaît, il peut aider des gens. Mais il faut aussi à sa madriga, c'est bon. Vous ne pouvez pas aller sortir quelqu'un qui n'est pas à votre madriga. Il y a des gens qui sont à un niveau de... Zaken, les filles de plateau. Hein? C'est ce qu'on a vu avant. Zaken, les filles de plateau. Ouais. Chez nous, les Fikévodo, pas tout. Au Assou. Ou bien, c'est ce qu'il dit, on a dit, ou c'est pas mon. C'est-à-dire que je ne suis pas capable de traiter cette chose-là. C'est-à-dire que je ne peux pas lever le poids de cette personne. Je ne peux pas l'aider à lever son poids. C'est trop pour moi. Il y a des gens qui sont des philosophes. Mais on peut passer notre vie à dire ça et jamais lever personne. Pas grave. Qu'est-ce qui vous a dit que vous êtes. Ce n'est pas une Midrata Semidoraïta. C'est les filles. Vous n'êtes pas obligé de lever qui que ce soit. Vous levez-vous vous-même. C'est déjà Nifla. Mais vous, votre femme, vos enfants, qu'est-ce qui vous a dit de lever qui que ce soit? Noach, il a dit, Hachem, il a dit, lève des gens. On doit laisser des familles s'exploser. Je vous donne un cas pratique. J'ai un cousin à moi à l'étranger qui m'a appelé hier soir, qui m'a dit, voilà, je vais divorcer de ma femme. Trois enfants, maintenant, ils n'ont rien, ils n'ont pas besoin de divorcer. Maintenant, ils sont en route, là, arrête. Je fais rien. Si, vous parlez avec lui. Oui. Ce que vous savez, je vous dis, dans la salle d'attente, vous savez, il y a des. En booking, là, dans les salles d'attente, il y a les livres pour les ventes d'auto d'occasion, il y a des trucs médicaux, il y avait le gars dans la salle d'attente, il a pris plein de choses, je vous dis, dans la salle d'attente. Si vous sentez que c'est un cas,
D'abord, s'il s'adresse lui à vous, ça c'est déjà un déroute, Minashamay. Parce que quand vous allez chercher, il faut aller chercher personne. Noach, il est assis à la Teva, Hachem lui dit, toi tu t'assois à la porte, tu ne bouges pas. Ils vont venir tout seuls. Ils vont venir, tous ils vont venir. Alors, vous, oui, quelqu'un... C'est un siman. Si quelqu'un vient à la porte, vient nous chercher, ça veut dire qu'on est capable de faire quelque chose. Quelque chose, vous pouvez lui faire quelque chose pour lui. Maintenant, est-ce que ça veut dire que vous avez tout le tipoul pour lui, tous les médicaments pour lui? Ça, c'est autre chose. Mais déjà, quand vous avez ça, première chose, il faut que vous transmettiez le dossier tout de suite. La première chose, quand quelqu'un vous demande ça, quel est ton nom? Le nom de ta maman, ta femme, le nom de sa maman. Première chose, vous en référez au supérieur. C'est la première chose à faire. Voilà Hachem, il m'a appelé un tel fils d'un tel, une telle fille d'un tel, d'une telle, ils m'ont demandé d'aider. Hachem, moi est-ce que je peux leur aider, les aider? Donne-moi les paroles, dirige-moi, que je sache quoi faire, parce que moi je ne sais rien du tout. Mais moi je sais que si un juif m'appelle et il est dans la difficulté, j'ai envie de l'aider, parce que je l'aime et je voudrais qu'il s'en sorte. Voilà, ça vous en référez au supérieur. Une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà le quart du travail. Et après, mais ça, pour faire ça, il faut que vous sachiez que vous êtes dans une salle d'attente. Si même je suis dans la salle d'attente, quelqu'un il rentre et me dit j'ai mal au pied, je ne vais pas lui faire une ordonnance avec un traitement. Moi je suis pas moi-même, je dis, moi je suis comme vous, moi aussi je suis ici en problème, regardez combien on est tous ici, on attend de rentrer pour qu'on nous soigne, à tous. Mais peut-être que ce que vous avez, c'est quelque chose que je connais, j'ai déjà eu, ou j'ai pas eu ce problème, ou je sais comment un petit peu je peux vous conseiller que pour que ça vous se fasse moins mal. Comme on a dit tout à l'heure, quelqu'un a une fracture, on lui met un bois en dessous le bras avec un truc, parce qu'on sait que ça ne bouge pas. Ça ne veut pas dire qu'on lui a soigné quoi que ce soit, mais ça fait moins mal déjà. C'est-à-dire on peut donner quelques conseils pour aider dans des situations où les gens sont complètement perdus. Parce qu'ils sont rentrés dans un fantasme qui les a amenés à n'importe quoi. Ça, on teste après, mais toujours en amateur, jamais en professionnel. C'est ça qu'il faut savoir. Parce que si maintenant, vous êtes conscient, vous êtes dans la salle d'attente, tout ce que vous allez faire, vous allez faire en amateur, pas en professionnel. Il ne faut pas traiter en professionnel. C'est ça qu'on nous demande. Nous, on est des amateurs. On est déjà en salle d'attente. Dans la salle d'attente, je peux aider beaucoup de gens. Parce que nous dit, dans la salle d'attente, vous voyez des milliers de cas. Et vous avez appris un petit peu de ci, de ça et tout, mais toujours en amateur. Première chose, n'importe quoi, il faut en référer. Même le Rav Sherter, vous avez vu hier, il m'a dit une fois, j'étais chez lui, il avait comme ça des écouteurs de filante, une pile à côté de lui. Et lui, je sais, si on peut imaginer dans la génération, quelqu'un, il est dedans, lui, il est vraiment dedans. Vous voyez, puisque depuis l'âge de 14, 15 ans ou 16 ans, il est Mekoubal, c'est Rosh Shivat Mekoubalim de Shana Shamaim, c'est un homme, c'est lui qui donne tous les Haskamot sur les livres de Kabbalah, il lit dans les lignes de la main, il est très, je veux dire, c'est un gars, si on peut penser que quelqu'un n'est pas dans la salle d'attente, c'est vraiment lui. Et il m'a dit, voilà, j'ai une pile de l'écouter de filote, quand les gens viennent, ils me demandent des trucs et tout, je prends lui, je dis, voilà, ici, tu as tout. Voilà, dans l'écouter de filote, tu as tout. Vas-y, prends, il commence à dire. Vous avez posé des paliers une fois, vous avez dit, un bracelet doit beaucoup se préparer. Parce qu'un bracelet, c'est un pharmacien. En gros, l'idée, c'est que c'est un pharmacien. Rabbeinu, il a formé à être pharmacien, il a donné toute la boutique. Il doit se préparer toute sa vie. On vous répond, quand on lui envoie, si c'est préparé normalement, il va pouvoir répondre. Pas en tant que médecin, en tant que pharmacien. On lui envoyer une épreuve. On lui envoie une épreuve. Il y a des gens, ils ont répondu à des gens, ils ont leur vie entière, ils l'ont basculé. Il y a des gens, ils ont répondu, voilà, quelqu'un est au Manon Chana, il avait 4 ou 5 enfants, il a recueilli chez lui quelqu'un qui a 50 ans, lui il a 30 ans. Il a recueilli chez lui quelqu'un 50 ans qui était à la rue. Et bien, 6 mois après, ce monsieur est parti avec sa femme. Il s'est marié avec lui. Il lui a laissé les gosses, elle est partie avec le monsieur qui avait 25 ans plus qu'elle. Voilà, il a voulu attraper un poisson, c'est le poisson qu'il a attrapé. Qui est-ce qui t'a dit de faire ça? Qui est-ce qui t'a dit de faire ça? Il y a des cas comme ça, il y en a des centaines. Je veux dire, il ne faut pas jouer. Moi, avec mon père à la pêche à l'eau, moi j'ai vu mon père à la pêche la nuit pêcher des poissons. Et j'ai vu quand des gens ils sont morts comme ça, que c'est des poissons énormes, et le poisson il faisait tomber le bonhomme dans la mer. Le type il est mort. C'est pas... Et pourtant, qu'est-ce qu'il veut, Stam, pêcher un poisson? C'est tout, il n'est pas... Mais quand le poisson fait 20 ou 30 kilos, il peut mettre quelqu'un à la mer. C'est pas... Ça a une puissance très très grande. Maintenant, quelqu'un il veut sortir un juif qui est bêtsar. Mais un juif qui est bêtsar, c'est pas un juif, c'est pas un morceau de plastique.
il y a dedans, il y a des antécédents, il y a des trucs, il y a des guilgoulines, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de la personne. Donc tu sais, toi, que toi, tu peux t'occuper de celui-là. Tu sais pas. Il y a un médecin, tu vas le voir, il voit le cas, il dit, moi, monsieur, je suis pas compétent pour ce que vous avez. Voilà, je vous donne une adresse, allez voir.